virement instantané, et hop, c'est réglé. Saviez-vous qu'aujourd'hui, près d'un virement sur 10 effectué en France est un virement instantané? Disponible depuis 2018 au niveau européen, ce service gagne du terrain sur le virement classique. Alors, quels sont ses avantages et dans quel cas le virement instantané est-il possible? Je suis Erwan, conseiller clientèle chez Société Générale, et je vais maintenant répondre à vos questions sur les virements instantanés. Qu'est-ce qu'un virement instantané? Un virement instantané est un transfert d'argent depuis un compte bancaire. Il s'effectue en moins de 10 secondes, contrairement au virement classique qui pourra prendre jusqu'à 72 heures. C'est là son avantage majeur, un virement extrêmement rapide et qui permet au bénéficiaire d'obtenir ses fonds immédiatement. Bien entendu, il faut que la banque du bénéficiaire accepte les virements instantanés. Quels sont les avantages d'un virement instantané? Les avantages principaux sont l'immédiateté et la disponibilité. Le virement instantané est disponible 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, sans interruption, en toute autonomie. Ce service est mis à la disposition des clients majeurs ou les mineurs de plus de 16 ans, titulaires d'un contrat de banque à distance. Ils pourront ainsi effectuer des virements occasionnels en euros à effet immédiat. Et ce, en ligne depuis leur compte bancaire, dans l'espace unique de paiement en euros, qu'on appelle aussi zone SEPA. Quel est le montant maximum pour un virement instantané? Le montant maximum d'un virement instantané dépendra de votre plafond autorisé habituel de virement. Dans tous les cas, il ne pourra pas dépasser 15 000 euros. Dans la limite de ces plafonds et des fonds disponibles sur votre compte, vous pouvez effectuer autant de virements que vous le souhaitez. Qui peut faire un virement instantané? Sous réserve d'acceptation de la banque, Société Générale met à disposition le virement instantané aux titulaires d'un compte bancaire et d'une banque à distance, et détenteurs d'un contrat de banque à distance ayant un pass sécurité valide et actif. Seuls les clients majeurs et les clients de plus de 16 ans, avec autorisation des représentants légaux, pourront émettre un virement instantané. Pour quel type de paiement peut-on utiliser le virement instantané? Il est possible d'utiliser le virement instantané pour effectuer un règlement en euros vers un particulier ou un professionnel dans la zone SEPA. Il est particulièrement utile dans certains cas. Par exemple, il peut être privilégié à la place d'un paiement par chèque ou en espèces, car plus sécurisé. Imaginons une transaction entre particuliers pour l'achat d'un canapé d'occasion d'une valeur de 800 euros. Pour des raisons de sécurité, l'acheteur préférera ne pas transporter d'espèces. De son côté, le vendeur souhaitera éviter de recevoir un chèque dont il ignore l'authenticité et la provision. Le virement instantané est idéal dans ce cas. Une fois l'affaire conclue, les 800 euros seront versés immédiatement sur le compte du vendeur. Ce dernier peut donc céder son bien sans appréhension. Peut-on annuler un virement instantané? L'effet immédiat du virement instantané lui confère un aspect irrévocable. Une fois l'ordre passé, il n'est plus possible de revenir en arrière pour le modifier ou l'annuler. Le virement instantané, est-ce bien sécurisé? Le virement instantané demande une sécurité renforcée. Chez Société Générale, chaque ordre de virement instantané est exécuté après validation de l'opération. Cette validation s'effectue via votre passe sécurité sur votre téléphone enregistré auprès de votre banque. Si l'opération a pu aboutir favorablement, vous recevrez automatiquement une notification vous indiquant que l'opération a bien été exécutée. Et cette opération s'inscrira en temps réel dans vos relevés d'opération. Si les fonds n'ont pu être remis aux bénéficiaires, vous en serez immédiatement informé. Et les fonds seront à nouveau disponibles sur votre compte. Y a-t-il des frais pour la personne qui donne l'ordre de virement instantané ou pour le bénéficiaire? Les frais appliqués au virement instantané sont variables selon les banques. Chez Société Générale, un coût unique de 80 centimes d'euros s'applique par transaction uniquement pour l'émetteur. Le client Société Générale bénéficiaire du virement instantané reçoit l'intégralité du montant transféré sans frais. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que ces quelques minutes vous auront permis d'avoir les idées un peu plus claires sur le virement instantané. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions.